Un des grands chagrins de Madame Simoneau fut d'accoucher au mois de mai 1968. Elle avait eu une grossesse difficile et le médecin insista pour qu'elle fût admise à la maternité de l'hôpital Cochin plusieurs jours avant le moment supposé de sa délivrance. Lorsque les premières grenades lacrymogènes explosèrent rue Gay-Lussac, boulevard Saint-Michel, rue Soufflot, elle était clouée sur son lit comme une grosse tortue, incapable de remuer, n'ayant pour horizon que le mur blanc de sa chambre. Il lui était d'autant plus pénible d'être ainsi emprisonnée qu'elle professait des opinions terribles et que depuis l'âge de 15 ans, elle attendait la commune. Or, voilà que la révolution éclatait et qu'elle n'en était pas. Que n'eût-elle donné pour sortir de son cloître, marcher dans la rue, renifler l'odeur de la poudre, lancer des pavés, crier « CRSSS ». Elle était saisie de la même impatience que les jeunes soldats de 1914 qui trépignaient dans les casernements en souhaitant que la guerre durât assez pour qu'ils eussent le plaisir de la connaître un peu. Malheureusement, les révolutions durent moins longtemps que les guerres et il était à craindre que l'histoire ne laissât de côté la pauvre petite Madame Simoneau. Ses supplications pour que l'on hâtât artificiellement son accouchement à l'aide de quelques piqûres laissèrent de marbre les médecins. Elle alla jusqu'à simuler des contractions auxquelles la sage-femme de l'étage, personne expérimentée, ne se laissa pas prendre. Bref, il fallut attendre le 19 mai pour que la nature, jusque-là si contrariante, acquiesça enfin au désir de Brigitte. Tel était le prénom de la parturiente. L'accouchement dura 17 heures. Monsieur Simoneau, jeune homme distingué, c'est-à-dire tout aussi révolutionnaire que sa femme, tint la main de celle-ci durant le travail et s'émerveillait qu'une personne si frêle d'apparence le serra avec la dureté d'un étau. Au cours des intervalles, il lui narrait les derniers épisodes des grandes offensives du quartier latin, ce qui était stupide de sa part, car cela ne faisait qu'ajouter au désespoir de la jeune mère. Non seulement elle souffrait mort et passion à mettre au monde un petit imbécile qui refusait d'y entrer, mais encore, on la désolait en lui montrant de manière saisissante ce qu'elle manquait, car M. Simoneau, à défaut de tact, racontait bien. Où l'on voit que Brigitte était plutôt bonne fille, c'est qu'au lieu d'éprouver de la rancune pour son mari, elle lui était reconnaissante de quitter des amusements exceptionnels pour demeurer à côté d'elle et partager son épreuve. De même, on pourrait penser qu'après la contrariété et les douleurs que lui avait causé son enfant, elle aurait pris en grippe cet innocent. Nullement. Dès qu'il fut entièrement sorti d'elle, qu'elle eut perdu sa grosseur qui la gênait tant, qu'elle eut cessé de pousser des cris, bref, qu'elle se retrouva comme une personne qui a eu mal de mer et qui est subitement guérie quand elle pose le pied sur la terre ferme, elle éprouva une grande joie à la vue de l'animal rougeâtre, plissé et couinant qu'elle avait créé. On constata ultérieurement un phénomène inattendu. Après les relevailles que la médecine a beaucoup abrégées,